الصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله نو كونتيني نو ليسون كونسيرنان الاسلام كونتو الاسلام اي نو نفيني اسبيك 12 بوين لو الاسلام ديان بوين كي نتسبيكي الاسلام سيت ان ريليجيون كي امين لا لوميير دان لا في مان ديمون. Alors, numéro 13, premier point sorti, l'islam, c'est une religion qui amène la satisfaction dans les cœurs du bâtiment. L'islam, c'est une religion qui amène la satisfaction dans les cœurs du bâtiment. Et ça, comment les connu, un bâtiment n'est pas capable d'acheter ce qu'il appelle la satisfaction, et il n'est pas capable enfonce dans ce l'équerre ce qu'appelle la satisfaction. La satisfaction, c'est une richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'y met dans l'équerre du bandimoun. Et ça, il n'y a rien à faire avec celui qui est riche ou bien pauvre, ou bien celui qui est en bonne santé, ou bien il est malade. Un dimoun est capable riche, mais il n'a pas fini la satisfaction. De l'autre côté, un dimon, il n'est pas pauvre, mais Allah t'a fait donner richesse, de la satisfaction. De la même façon, un dimon n'est pas en bonne santé, mais il peine à la satisfaction là, sur la vie. De l'autre côté, un dimon, il est malade, mais il y a un dimon qui a la satisfaction dans ce l'équerre. Et ça, il est simple pour nous comprendre que nous l'équerre, en vérité, c'est propriété Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est juste Allah Rabbul Alamin qui a contrôle l'eau-là. C'est juste Allah Ta'ala qui a contrôle l'eau-là. Mais dire, nous-mêmes, nous pouvons contrôler l'eau nous l'équerre pour qu'il nous enfonce la satisfaction de nous l'équerre. Nous l'équerre appartenir à Allah. Et c'est juste Allah Subhanahu wa Ta'ala lui, qui a la capacité pour mettre la satisfaction de nous l'équerre. Et il n'a pas pour mettre lui, excepté quand même un cadeau de support pour celui qui mérite lui. Allah Ta'ala, il n'a pas mis la satisfaction de l'équerre du bandimoun, excepté dans l'équerre de celui qui les fin content, les fin satisfait avec lui. Donc, fait Allah satisfait avec nous, Allah Ta'ala pour mettre la satisfaction dans l'équerre. Et comment nous pouvons faire Allah satisfait avec nous à l'aide de nous l'islam. Allah fin de nous l'islam. Fait Allah satisfait avec nous. Fait nous créateur satisfait avec nous. À travers l'islam, à travers qui était à travers la soumission. À travers l'islam, c'est pas comment dire, nous comprend, à travers religion de certaines, ou bien à travers quoi que ce soit, mais à travers l'islam, c'est à travers la soumission au Créateur, soumettre au Créateur, ou Créateur pour satisfaire avec vous, et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala, les vous mettre dans l'équerre, ce qu'il appelle là, La satisfaction. Alors, c'est pas richesse, c'est pas une jolie place, c'est pas une jolie bon manger ou bien bon menu qui est là, le salatier là. C'est pas ça, man, qui sera qui amène la satisfaction dans nous l'équerre. C'est pas ça, man, qui sera qui met la satisfaction dans nous l'équerre. Et la seule chose qui met la satisfaction dans nous l'équerre, c'est l'islam. C'est l'islam. Quand nous vivons dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Ibn Taymiyyah rahimahullah et dit, plusieurs fois nous disons ça, c'est à cause ça nous trouvons, man kafir, man désobéissant, je ne suis pas capable de vivre, excepté, comment dire, besoin de la musique, l'amusement dans la vie. Qui veut parce que l'intérieur, c'est un intérieur noir, l'intérieur, c'est un intérieur pauvre. Alors, je trouve une petite chose pour distraire les autres. Je trouve une petite chose pour distraire les autres. Et la même qui nous trouve dans la vie de Malkoufar, remplie avec la musique et l'amusement. Tandis qu'un musulman n'a pas senti qu'il a besoin de ça. Il n'a pas ressenti qu'il a besoin de ça. Qui fait parce que celui qui est déjà riche. Parce que celui qui est déjà riche, comment Allah Ta'ala met la satisfaction dans ce l'équerre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wajabat lahu al jannah. Celui qui est satisfait avec Allah comme son Rab,
comme son créateur. Wabi l'islam edina, il satisfait avec l'islam comme son religion. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya, il est satisfait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son prophète. Wajabat lahul jannah, jannat vin obligatoire l'ouli. Jannat vin obligatoire l'ouli. Donc dans ce hadith-là, qui les prophètes peuvent enseigner nous? Les prophètes peuvent enseigner nous qu'un démon les satisfait avec Allah, les satisfait avec l'islam, les satisfait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui est satisfait avec l'islam, Allah Ta'ala satisfait avec lui et Allah Ta'ala vous donne les jannah. C'est-à-dire, un démon les gagne la satisfaction avec l'islam. Un démon les gagne la satisfaction quand les réfléchit. Qu'il y ait un Rab comme Allah, les gagne la satisfaction quand il réfléchit, qu'il se dit c'est l'islam, les gagne la satisfaction quand il réfléchit, qu'il sera Rasoul, son modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un gentleman qui finit vivre au ça, la tiala, pas un rôle ou bien mentir, ou bien un. Tout le monde qui a été dit, qui a été dit, peut être considéré comme un leader, un. Un héros, et qui en fait, quand nous sommes corrompus, nous sommes immorales, nous sommes des gens qui ont rôdé un rôle, tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Rasoul, est un démon propre, un démon qui est droit, un démon qui nous satisfait avec lui, en tant que nous, Rasoul, en tant que nous, nos prophètes. Alors, ce hadith-là peut montrer nous, un musulman, un vrai musulman, c'est celui qui est satisfait avec l'islam. Un vrai musulman, c'est celui qui est satisfait avec l'islam. Alors l'islam, il y a une petite chose qui amène la satisfaction dans les cœurs. Le place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Daqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban wa bil-islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasoula » Ça dit qu'on a une goutte, qu'on a une saveur de l'iman, une goutte, qu'on a un bon goût de iman, celui qui est satisfait avec Allah comme son Rab, est satisfait avec l'islam comme son religion, et est satisfait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager. Donc ça fait montrer nous, ce hadith là aussi fait montrer nous que l'islam amène la satisfaction dans nous, les que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accepte lui comme le prophète, ça l'amène la satisfaction dans nous les cœurs, et aussi accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme nous rab, ça y amène là la satisfaction dans nous les cœurs. Donc, ça c'est notre première explication pour aujourd'hui, que l'islam, l'indine, qui amène la satisfaction, ni bien nous gagne, la satisfaction dans nous les cœurs, veut dire nous pas un démon, nous pas sentir nous un démon qui. La vie lourde, la vie amère, ou bien plein en la vie, ou bien pas qu'on est qui pouvait avec la vie. Quand on a l'islam, alhamdulillah, on a la joie dans nous la vie, nous comptons. Quand on peut faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, nous comptons. Quand on peut faire nos salats, nous peut faire sajda pour Allah, nous peut lire le Coran, nous peut apprendre ce dit, nous comptons avec ce qu'Allah ta'ala fait enseigner, il nous donne nous pour faire. Malgré les difficultés dans nous la vie, mais déjà nous comptons, nous vivons avec la satisfaction. Déjà, une explication par aujourd'hui, l'islam, c'est une religion qui met bandimoun l'eau la droiture. L'islam, c'est une religion qui met bandimoun l'eau la droiture. C'est-à-dire, l'eau, ça la terre, elle a un chemin qui appelle ça un chemin droit, après, elle a 26 mètres travers. C'est comme on se trouve en s'y mettre à veille. Quand on les tombe dans l'ignorance, dans l'injustice, dans la corruption, dans l'immoralité, dans la fausseté. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises. Quand on les tombe là-dedans, comment les tombe là-dedans? Quand les finissent. Au lieu de marcher sur un chemin droit, les marcher sur un chemin travers, les marcher sur un chemin travers, et comment les corrompus, les marcher sur un chemin travers, et qui a été immoral, l'immoral, les marcher sur un chemin travers, et qui a été égaré, l'égaré, les gens qui, les n'a pas peine, les pas fait raisonner, les fait quelque chose qui est vraiment illogique, qui fait, parce qu'il est marcher sur un chemin travers, il est marcher sur un chemin
travers. Donc l'islam finvin comme un cadeau depuis Allah, une guidance depuis Allah pour mettre nous le chemin droit, pour faire nous marcher la droiture pour qui nous n'a pas tombé devant, ne pas marcher devant si mes travers, ne pas marcher devant si mes travers, et surtout quand nous guettons dans le monde qui nous vivre là, quantité de corruption qui est là, et l'intervalle qui nous peut traverser, nous peut témoigner, nous peut tendre, nous peut trouver, comment dire, il y a une compétition dans la corruption. Il y a une compétition dans la corruption. Et ça, c'est ce qui ne récit mais autres. C'est ce qui ne récit connaît. Mais ce qui ne nous connaît, ce qui ne nous connaît, là, veut dire, ça plus corrompu encore. Alors, dans le monde qui nous peut vivre, dans le monde qui, comment dire, est corrompu avec la corruption, avec l'injustice, l'immoralité, et tout le monde qui chose, quoi, dire, qui n'est pas correct. Alors, nous avons besoin de l'islam. Nous avons besoin de l'islam. L'islam, c'est religion Allah, religion des créateurs, pour mettre nous la droiture, pour enseigner nous, pour qui nous amène la vie propre, une la vie loin de tout ce qui nous mentionnait comme une petite chose qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Maintenir ta figure, la religion de la droiture. Maintenir ta figure, la religion de la droiture. Et qu'était ça? Une religion de la droiture avant qu'un jour vienne depuis Allah. Qui pas pour capable repousser avant qu'un jour vienne qui n'a pas pour capable repousser ça jour là ben dimoun pour diviser en deux groupes. Alors dans sa ayat là Allah subhanahu wa ta'ala les peut ordonner nous pour qu'il nous maintenir nous loquiter ad-din al-qayyim. Ad-din al-qayyim c'est la religion de la droiture, une religion de droiture. Donc un dimoun il envie amener la vie droite le haut salatier là. Quoi dire, loin de toutes les choses qui sont mauvaises, vilaines, immorales, comme l'injustice, fraude, corruption, alors il n'y a aucune solution excepté l'islam. Mais c'est soumettre à nos créateurs, soumettre à nos créateurs. Par exemple, quand nous sommes dans le monde dans lequel nous pouvons vivre, il y a une chose qui s'appelle la banque. Il y a une chose qui s'appelle la banque. Et ça, comment dire? Il y a un pilier dans nous la vie aujourd'hui. Il y a un pilier dans l'économie, le monde en entier. Et ça qui était ça. C'est pas nier excepté l'injustice. C'est pas nier excepté l'injustice parce qu'il là-bas, il roule un système, il repose un système. L'intérêt, et l'intérêt en d'autres mots, c'est, on va dire, mange l'argent du monde et coquin l'argent du monde d'une façon honnête, soi-disant. Alors, d'une façon respectable, soi-disant. Alors, connais qui? Ça peut donner une idée. Quantité, ça, les mondes, là, les corrompus. Qui quantité? Ça, les mondes, là, les corrompus. Si l'envie sortit depuis tout ça, la corruption, là, tout ça, l'injustice, là, la banque, l'assurance, tout ça, c'est quelque chose qui, un peu coquin ou losant, d'avoir quelque chose, d'une façon, qui lui repose l'injustice, compagne l'assurance, les gens ramassent l'argent pour lui, et tout le monde paye l'argent, il ramasse tout l'argent pour lui, après 100 personnes font payer lui, il paye juste 2 personnes, 3 personnes, ça aussi, il paye la moitié, il paye encore, les restes d'argent font pour lui. Donc, ça c'est un système qui les mondes acceptent, il est comme un bon système, ça montre nous qui quantité, ça les mondes là, c'est un les mondes qui, quoi dire, paye, régné par la corruption, l'injustice. Alors, nous avons sorti depuis ce système-là, nous avons retourné vers l'islam. Et comme ça, même nous avons dit, nous avons la vie malpropre, cette la vie, ce comportement envers les gens qui n'est pas correct. Donc, tout ça-là peut montrer que cette la vie qui se permet, n'est pas une la vie loin de s'y mettre droite, mais une la vie loin de s'y mettre travers. Alors l'islam, finvin pour enseigne-nous à la droiture, finvin pour enseigne-nous, amène-nous la vie comme une la vie droite. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit,
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أو محمد جيا certainement mon Rabb, mon Créateur, les fins guide-moi vers un chemin droit. Ô Muhammad, dis certainement mon Rabb, fins guide-moi vers un chemin droit. Dînan qiyaman millat Ibrahim hanifa. Quel est sa chemin droit là? Sa chemin droit là, c'est une religion droite. Une religion quoi, de la droiture. La religion de Ibrahim qui tire verset exclusivement vers Allah. Ibrahim, le tire Hanif. Hanif veut dire, le verset vers Allah, veut dire, il n'a pas commis de chute dans aucune façon, dans aucune forme. Alors, wa makana min al-mushrikin, il n'a pas de chipo, qui se peut associer les œufs dans l'adoration du Créateur, qui peut adorer le Créateur unique, Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, qui peut adorer Zis Allah. Alors, c'est ça la religion droite, c'est ça le chemin droit. Alors, dans cet ayat-là aussi, nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire l'islam comme un chemin droit, une religion droite, religion d'Ibrahim, religion qui finit enseigne nous pour qu'il nous adosisse Allah, le Créateur, et nous n'a pas associé personne dans l'adoration de nous, Créateurs. Donc ça c'est nos deuxième explication pour aujourd'hui. L'islam, c'est une religion qui enseigne nous la droiture, il met nous loin, chemin droit, il protège nous pour ne pas tomber devant le chemin, pour ne pas marcher devant le chemin travers. L'autre explication, c'est l'islam, c'est une religion complète. C'est une religion complète. Qui veut dire complète? Complète, premièrement, il est complète parce qu'il est fini de compléter, il est fini de préparer par les créateurs. Et sixième, nous tiennent à information, comme on finit faire, l'islam vient dire d'une religion préparée par les créateurs. Si nous utilisons ça comme information, l'islam, c'est religion qui est préparée par les créateurs. C'est ça qui suffit pour nous comprendre que l'islam est obligatoirement une religion qui était complète. Parce qu'il n'est pas possible que les créateurs donnent une religion qui est la mort malade. Il n'est pas possible que les créateurs nous donnent une religion qui est mort, qui est sur la dedans. C'est impossible. Mais malgré qui, nous sommes déjà au courant, nous sommes déjà informés que l'islam, c'est la religion du Créateur. Malgré ça, et à part ça, Allah Ta'ala finit informe nous, ça l'islam là, il est complet. Il est complet. Qui veut dire il est complet? Il est complet veut dire, il contient tout l'enseignement qui nous besoin pour amener un la vie correcte à la terre là. En ce qui concerne nos relations avec nos créatures, en ce qui concerne nos relations avec les créatures, en ce qui concerne nous la vie, l'eau salatée là, en ce qui concerne nous la vie après la mort, et une religion complète qui enseigne nous tout ce qui nous besoin pour qu'ils nous adorent les créatures correctement, pour nous qui nous vivent avec le bien-être, dans la prospérité, l'eau salatée là, une religion complète qui contient la solution de tout. Problème qui nous capable trouve nous en face de ça, dans n'importe qui coin le monde nous peut vivre, dans n'importe qui l'époque nous peut vivre. Ça appelle ça l'islam, un dîme complet. Mais tiens, nous n'avons pas en besoin de aucun système, nous n'avons pas en besoin de nier et nier, parce que l'islam est déjà complet. Il est déjà complet, et ça dans lui-même, il est obligatoirement comme ça. Si nous disons l'islam c'est religion du Créateur, et déjà quand nous disons l'islam religion du Créateur, il est complet. Nous comprenons pas ça qui dans tout qui sont nous visons agir comme musulmans. Nous pas qu'à dire non là l'élection là nous peut agir comme mauriciens. Non, nous agir comme musulmans parce que l'islam est complet dans toute l'époque, dans tout coin du monde, dans toute situation. L'islam, c'est religion qui enseigne nous pour qu'il nous comporte, nous, comme un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous agir d'une façon qui
nous toujours peut soumettre à nous, à nos créateurs. Alors, celui qui dit l'islam complet, mais les agacés quand dit Ali, par exemple, te CV, te mise à bataille, comme ça, les agacés quand dit Ali, te pantalon, les agacés quand dit Ali, te l'habillement. Mais c'est un démon qui ne comprend pas. Il va comprendre l'islam. Si nous comprenons l'islam, les créateurs sont religions. Il y a une religion complète. Il y a une religion complète, mais il y a tout qui chose, il enseigne où c'est qui me guère. Il enseigne où c'est qui me guère. Enseigne concernant ses voies. Dis-moi, il va bien quitter ça. Il va bien. Puis il va manger, c'est l'islam, il va pas manger, manger. Pas manger, manger. Puis il va habiller l'islam, il va pas habiller, comment habiller, comment. Il va agacer. C'est un démon qui va comprendre l'islam. C'est pas un musulman. Celui qui peut agacer. Avec l'enseignement de l'islam, vous voyez, l'islam vient de pousser à ce coin, ou l'islam vient de arracher sa liberté. Non, l'islam vient enseigner nous ce qui est meilleur dans toutes les choses. Il enseigne nous ce qui est meilleur dans toutes les choses. Comment nous mettre nos souliers, comment nous tirer nos souliers, comment nous manger, comment nous boire, comment un démon aller à la toilette, comment les purifier, toutes les choses, l'islam vient enseigner nous. L'islam il continue tout ça dans l'enseignement-là. C'est pas comme dire l'islam vient venir pas nous donner ça, il pas nous donner moi liberté comment vous nettoyez moi, comment vous mettez moi propre. Non, c'est pas comme ça qu'un démon lui raisonner. L'islam parle de moi liberté comment vous habiller, l'islam parle de moi liberté comment vous pour causer. Non, l'islam il donne nous meilleur l'enseignement comment pour manger, qui pour manger, comment pour boire, qui pas pour boire. L'un de nous meilleur l'enseignement comment pour habiller nous, comment pas pour habiller nous. L'un de nous meilleur l'enseignement dans tout. Qui de choses parce que c'est religion du créateur, une religion complète, il n'est pas capable, religion du créateur et qu'il n'est pas complet, il n'est pas capable, religion du créateur et qu'il peut la meilleure l'enseignement, impossible. Religion du créateur, obligatoirement, il besoin d'une religion complète, il besoin d'une religion complète qui peut contenir. Il y a un meilleur enseignement, une solution de tout nous, nos problèmes. Et en même temps, quand nous pédions l'islam complet, et les complets, parce dans le sens qui nous pédions pour ajouter, pour nous rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous déjà, il y a une religion qui, ce qui donne nous, ça suffit pour nous. Qui nous a pour faire pour qu'Allah satisfait avec nous? Qui nous a besoin faire pour que nous gagnions Jannah? Il est déjà une religion complète. Nous ne pouvons pas le faire encore quelque chose à l'ajouter pour que nous gagnions une place de Jannah, pour qu'Allah satisfait avec nous. Non, ce qui nous donne, il est déjà suffit. Et pas ben, suffit en vérité, il est déjà. Allah, ce qui nous donne, nous, quand il est bon action, qu'il nous enseigne, nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre tout ça là hein? En pratique. Nous pouvons toujours trouver qu'il y en a manquement dans nous. Alors, dans ce que les prophètes ils enseignent, nous toujours on peut trouver qu'il y en a manquement dans nous. Alors, qui nous a ajouté dans le dîn Allah? Qui nous a ajouté dans le dîn Allah? Donc, quand nous disons l'islam, c'est un dîn complet. Il veut dire aussi qu'il nous pas gagné droit à faire bid'a dans sa dîna. Et nous laissons bid'a nous déjà faire dans. Samedi, nous avons causé là, normalement. Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. Azodi, mon fin complète pour cette religion, mon fin perfection, l'autre, mon fin faveur, et mon fin satisfait pour l'islam comme cette religion. Ça a été là, fin des sannes. Avant la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, trois mois avant la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à peu près, à l'occasion des Hajjatul Wada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son mission, puis arrive jusqu'à ce, la fin. Le prophète, son mission, puis arrive vers ce, la fin. Alors, ça a été la fin de San Azoji, mon père complète pour cette religion. Mon père complète pour cette religion. L'islam, il est complète. Tout ce qui nous a besoin de ça, il est déjà peut contenir. Tout ce qui nous besoin pour gagner Jannah, déjà il y a là-dedans. Tout ce qui nous besoin pour qu'il demain nous pas trouve nous dans l'enfer, déjà il y a là-dedans. Tout ce qui nous besoin pour qu'il y ait une jolie la vie au salatier là, nous déjà il y a
nous déjà énali là-dedans tout ce qui cava prend naissance comme problème, comme difficulté, l'islam lui déjà une solution à sa man problème là, parce qu'il s'est un dîn complet, il ne complétait pas Allah. Et qu'est-ce qu'on va être là, il continue. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي من perfect من complete زود دين ومن perfection مبان فاوية لو زود هلو الله تعالى فين دنو أن الإسلام complete ستن فاوية الله ستن فاوية الله سيبقى ما جيا إن أغاش نوليبيتي أو بيان إن غن نولافي عمي أكوسن دنو أن دين complete نو une de nous dit complet parce qu'Allah Ta'ala li in perfection souvent faveur l'onu, donc c'est faveur Allah l'onu qui lui donne nous l'islam et l'insatisfait avec l'islam comme religion, comme nos religions qui nous suivent, nous pratiquent pour qu'ils nous adorent Allah Subhanahu wa Ta'ala. L'autre explication, quatrième explication pour aujourd'hui, c'est toujours quand nous comprenons l'islam, c'est dîne Allah, dîne qui ne préparait pas Allah. Alors, nous ne comprenons pas ça, qui les créateurs, ils ne préparent pas une religion. Mais une créature a besoin d'accepter, comment elle était, comment elle finit d'être préparée. Alors, il n'y a pas une petite chose, veuillez dire, une petite chose inacceptable. Qui chaque dimanche les pratique sur l'islam dans sa façon et chaque groupe les pratique sur l'islam dans sa façon d'une telle façon que finalement aujourd'hui nous en a différent à l'islam de ban de tel jamaat. Alors ça c'est une petite chose qui condamnée dans l'islam, mais nous n'acceptons ça l'islam, là. Un islam qui condamne division, pénalité l'islam, il y a un seul islam. Demande n'importe quel musulman qui n'accepte l'islam. C'est l'islam qui te n'accepte là. Qui religion ça? Il dit religion du créateur. Qui veut dire religion du créateur? Religion du créateur, il ne prépare ça. Est-ce qu'il y a un créateur qui ne prépare l'islam? Il ne prépare lui un islam différent. Face, différents figures, différents couleurs, ou bien seul l'islam. Il faut dire, ouais, seul l'islam. Mais comment t'expliques qui 10 musulmans, 10 qualités l'islam. Comment on explique 10 musulmans, 10 qualités l'islam. Alors, avant de gagner une réponse, nous dire non, tout. Avant de gagner une réponse, mais tout là, c'est un musulman en tout. Il n'est pas possible. Nous dit l'islam c'est la religion du créateur, il ne préparait pas Allah. Une jolie religion, une religion complète, une religion qui créature pas gagné droit mettre son nénéné là-dedans, pas gagné droit ajouter son bout là-dedans. Ensuite, chacun est dans l'islam, chacun peut pratiquer l'islam d'une façon différente de ce que les autres peuvent pratiquer et nous satisfaire avec ça, nous contentons avec ça. Et pas juste nous contents, nous finalement nous disons chacun nos affaires, chacun pratique sur l'islam comme Ali les trouve bon. Alors ça c'est pas comprendre l'islam, ou bien c'est l'hypocrisie, ou bien c'est l'hypocrisie, c'est manque de sincérité. Si nous sommes dans la sincérité, nous pouvons dire non, l'islam c'est pas mon religion ça, c'est pas comme dire une petite chose qui m'ont fait ce qui m'ont voulu avec ça. Ça, c'est religion, les créateurs m'ont besoin d'accepter dans façon qui les créateurs les fins à préparer et vraiment les inacceptable. Quelque chose que les créateurs l'ont préparé dans tout ce perfection, nous venons ajouter nos bouts là-dedans, ou bien nous venons mettre nos interprétations là-dedans, ou bien nous venons choisir là-dedans. Alors, division dans l'islam, les condamnés. Division dans l'islam, les condamnés, les inacceptables, qui nous a 10 musulmans, 10 qualités l'islam. Ça, les inacceptables. Alors,
vous besoin répondre pour ça côté Allah subhanahu wa ta'ala ça quand vous dire sur religion bon sur l'islam qui bon religion l'islam son camarade là n'a pas bon pour lui qui bon OK mais c'est ma connaît qui si l'existe contraire pour ton camarade bon pour toi n'a pas bon mais alors tu veux pratiquer l'islam qui est faussé tu veux pratiquer l'islam qui est faussé et là quoi on habite dire dans présence 73 l'islam possibilité du monde libre pratique fausse l'islam possibilité la plus faux mais les plus faibles les plus faux et ça quand j'ai dit vous n'avez pas besoin une belle étude belle calcul pour y aller comprendre qui possibilité moi pratique l'islam qui une falsifiée possibilité là qu'il faut d'où 72 ou 73 72 ou 73 possibilités là, quand il y a le plus qui, quand il y a là, au 95%, quand le prophète lui prédit, après 73 groupes dans parmi les musulmans, un seul pour le chemin droit, il y a possibilité qu'il nous peut mal comprendre l'islam, possibilité qu'il nous peut mal pratiquer l'islam, les 72 ou 73. Il lit 72 ou 73. Alors, Saint-Dimon, il peut continuer avec sa mentalité-là. Non, pour moi, bon, pour le cas, n'a pas bon. Pour moi, bizin, bon, pour le cas, bizin, n'a pas bon. Alors, ça, c'est un Dimon qui n'est pas oulé. Il n'est pas avec un tracas de ce l'islam. Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الله سليكنا ولجفيا كم religion pour زد لندن زد كم religion même religion qui lit au de Nuh même religion qui lit les révèle à toi au Muhammad même affaire lit au de Ibrahim Moussa Isa et tout prophète fin gain même l'autre fin gain seule religion possible ça ne finit expliquer et ensuite avec la continue qui dit أن أقيم الدين ولا تتفرقوا في établir la religion pas mettre division là-dedans établir la religion pas mettre division là-dedans alors ça c'est l'ode Allah l'islam c'est pas l'islam de nous l'époque Nuh alayhi salam Ibrahim Moussa Isa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tout fin gain même l'islam un seul l'islam aujourd'hui nous avons 10 d'islam parmi nous, nous avons 20 quoi face d'islam parmi nous. Et si ça pas appel, nous avons beaucoup de négligence dans nous pas agir comme un démon quoi dire responsable. Alors les pas indiquent non rien si les pas indiquent ça. Ça qui te chose là. Alors, l'islam, c'est religion, les créateurs, et les pays de nous pour maintenir, alors là, pas mettre division. Allah subhanahu wa ta'ala le dit Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, lasta minhum fi shay. Ban qui se met division dans notre religion, et se forme une secte, au Muhammad, tu n'as rien pour faire avec ban là, tu n'as rien à faire avec. Avec ban qui permet division dans autre religion. Alors, l'islam, c'est religion du créateur. Nous visons accepter les coumaliétés. Nous pratiquons les coumaliétés. Nous n'a pas vu ajouter. Nous n'a pas vu retirer dans sa religion-là. Et nous n'a pas vu mettre division dans sa dîme. Alors, c'est ça, un petit peu pour aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le prochain, nous continuons, sinon demain, nous laissons le haut, faire le continuer, quitter le Nikah, et ensuite, samedi, nous laissons le haut, Bédara, le continuer, Inch'Allah, alhamdulillah. Non, samedi, la prochaine public, non? Samedi, on se public, pas qu'il y en a. Subhanakallah, alhamdulillah, je veux la, 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 la